Bonjour. Bonjour et bienvenue à Faut qu'on en parle. On se rend encore le bulletin de météo. Ouais, c'est ça. Grosse journée aujourd'hui, très grosse journée. Mm-hmm. Il est quasiment 5 heures, on est fatigué un petit peu. Mais tellement une belle journée, encore une fois, des superbes rencontres. Tellement. Oui, on a enregistré un podcast avec Maxime Martin. Ça faisait longtemps qu'on voulait le recevoir. On est vraiment contente d'avoir pu enregistrer aujourd'hui avec lui. Vraiment une belle personne. Ah, tellement. Tellement de choses à dire, tellement de choses pertinentes à dire. Vous aurez la chance de l'écouter dans les prochaines minutes qui suivent. Puis, on voulait prendre le temps de parler d'une entreprise coup de cœur qu'on a découvert. Bien, ça fait un bon moment qu'on l'a découverte quand même, mais on a commencé à s'entraîner dans, au Studio Proud, qui est un studio en Mauricie, par chez nous, mm-hmm. par des filles de chez nous, des femmes entrepreneurs. Honnêtement, on capote, on adore, suivi personnalisé. Il y a des entraînements privés, des entraînements semi-privés, l'effet de groupe, comment on s'est senti quand on est arrivé là, on dirait qu'on savait déjà qu'on allait triper notre vie. Fait que vraiment, aller jeter un coup d'œil à leur réseau, là, qui sont Studio Proud, hein, je crois, leur Instagram. Exactement. Vraiment, là, des femmes qui sont super inspirantes, puis on adore ça, en tout cas. Oui, parce qu'on a eu une semaine très mouvementée, mais oui. ça a comme ça été... oui, c'est ça. Ça a comme été des petits moments qui ont fait du bien, vraiment, beaucoup. Puis on a toujours pris soin de notre santé physique en s'entraînant, mais là, c'est comme une formule... de petits groupes semi-privés. Mmh. Fait que c'est vraiment le fun. Puis les filles sont exceptionnelles en plus. Fait qu'on a comme plein de beaux moments aussi à vous dévoiler. Super, plein de belles choses. Mais c'est ça, allez découvrir ça. Les filles sont incroyables. Les gens en Mauricie, même à distance, tu peux avoir des suivis. Fait que ça peut être super intéressant. Puis, en fait, ce qui est encore plus le fun, c'est que Didacticus, que là, vous connaissez, je pense que ça va être rendu un acquis, qu'on va dire le nom, vous savez de qui on parlait. Vous allez rêver à eux la nuit d'après moi, bientôt. Mais, en fait, on a établi un partenariat entre Didacticus et la clinique Proud, parce que les filles, ce que je trouve exceptionnel, les filles, c'est qu'elles sont vraiment pas juste axées sur une vision plus... physique de la mise en forme, de prendre soin de soi. Puis ils ont même décidé de s'allier à une clinique Didacticus, justement, pour mettre de l'avant l'importance de prioriser sa santé mentale aussi. Comme quoi la santé mentale, comme quoi la santé, c'est santé physique et santé mentale. Donc, de vraiment prioriser les deux dans leur approche, c'est quelque chose qui est vraiment très spécial à eux. Je pense que vraiment, ça vaut la peine d'être mis de l'avant. Donc, on vous réfère à ces deux belles entreprises en Mauricie. Puis, pour les gens à l'extérieur aussi, vous pouvez vous y référer sans problème. On vous dit bon épisode! Faut qu'on en parle est présenté par Didacticus, une clinique multidisciplinaire regroupant des professionnels de la santé, de l'éducation et des services sociaux œuvrant dans les régions de la Mauricie, la Naudière, Montréal, ainsi que sur la rive sud de Montréal. Notre mission est de favoriser le développement et le déploiement des individus de tous âges, et ce, dans toutes les sphères de leur vie. Pour connaître nos services, consultez le www.didacticus.com. Bonjour et bienvenue à Faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on reçoit Aura et... tu peux sortir dans le fond. Ben, non, mais tu sais, je réalise très bien que je suis en train de dropper dans le palmarès familial. Livia, le chien, moi. Là, mon fils qui, des fois, fait ma première partie, fait que là, il est sur le bord de... Mais c'est correct, on passe au flambeau. C'est trop facile. J'ai eu des belles années. On est aussi chanceuse de recevoir Maxime Martin. Parce que je sais pas si on va l'avoir vu à la caméra. Mais on a une petite accompagnatrice en ce moment. On la montrera tantôt, vous prendrez une photo. Oui, je pense qu'elle est bien. De toute façon, elle commence à te suivre partout. Là. Elle est tout le temps, tu fais. Ouais, écoute, ça fait 2 ans maintenant. En tout cas, on parle d'un chien en passant pour le coin. Oui, oui, c'est. Oh, ouais, c'est pas une marmotte. Tu t'écœurais, c'est ça. Mais c'est tellement long parce que j'ai fait un show cet été. Puis j'étais chez des amis. C'était dans le coin de Québec, puis on était chez des amis à une demi-heure. Puis elle jouait dehors avec d'autres chiens, on était sur le bord d'un lac. J'ai dit, je vais aller faire mon show, je reviens, je n'amènerai pas Aura pour ça, elle avait du fun. J'ai mis, on m'a présenté, je suis monté sur scène, j'ai fait 2 pas, puis j'ai entendu dans la salle, Aura est pas là! Désolé, il y a juste moi puis mes fucking gags de merde. J'ai vraiment sorry. Non, que j'ai trouvé ça très drôle. On adore. Mais on est très contents de le recevoir. C'est correct. Des blagues, évidemment. Je pense que t'es capable d'en prendre. Non, mais je suis très fier. Ce chien-là a tellement changé ma vie aussi. Ben c'est... Oui. Ouais, tu sais, je pense qu'on...
c'est fou, là, là, ce que la zoothérapie peut faire. Moi, dans mon cas, c'est chien d'assistance pour mon TDAH qui est de plus en plus aigu. Puis comme je refuse de prendre des médicaments, ça se peut que je commence bientôt. Mm. Mais je le sens, là, que ça... Ah oui? Ouais! Puis quel effet ça a sur toi? C'est le calme, tu sais, de un... Tu sais, je dis, quand tu as un TDAH ou un trouble d'attention, peu importe quelconque qu'il est, ou de l'anxiété ou n'importe quoi, tu sais, on parle beaucoup de méditation, tu sais, évidemment, le sport aide beaucoup, ça, je donne là-dedans, fait que ça me calme, mais le fait de me lever le matin et d'aller promener en rang, tu sais, surtout, tu sais, moi, je suis dans Vieux-Montréal, je me lève le matin, tu sais, le soleil au-dessus de l'eau, tu comprends, puis même des fois, tu vois, comme, tu sais, j'ai un chalet dans Charlevoix, puis je vois l'écrire, puis des fois, tu sais, tu trouves un dossier, tu sais, des fois, je peux ouvrir 8 dossiers en même temps. Parce que... Comme partout en même temps, là, ouais. Fait que là, je le sens que ça spin, puis c'est pas le fun. Fait que, tu sais, je vais ouvrir la porte, puis je vais aller me promener avec elle. Tu sais, on est vraiment en campagne, entouré de champs, zone agricole, là, fait que... Ça te grind un peu ressemble. Je fais juste la fixer. Puis... Tu sais, je la vois courir partout, puis elle se retourne de bord, puis elle me regarde, puis tu sens qu'elle sourit, qu'elle a une joie de vivre. Ouais. Puis même, si je cours seul... C'est une autre affaire très thérapeutique. Quand je cours... Je prends souvent des bonnes décisions. J'ai même une très drôle anecdote là-dessus parce que j'ai pris la décision de m'auto-produire pendant que je courais suite à un signe de vie. On s'en parlera après. Okay. Suspense. Mais quand je cours, ça m'aide à m'apaiser et à prendre des bonnes décisions et à calmer le spinage qu'il peut avoir dans d'autres moments. Mais je pense quand même à mes affaires. Quand je cours avec elle, tu sais, j'ai la harnette canicross. Je cours plus vite. Fait que, ouais, le clown. Dépêche, Asti, d'autres choses à faire. Je sens qu'elle dit ça dans sa tête. Mais le fait que je suis avec elle, là, je pense à rien. C'est vraiment un vide total. Tu sais, je trouve ça magique d'avoir ce moment-là avec mon chien. Elle me fait rire quand elle court. Puis, des petites fesses qui se dandinent. Puis, elle se retourne. Non, c'est fait que ça apporte énormément. Tu sais, le fait d'avoir à s'occuper de quelqu'un, d'un autre être vivant, tu sais, de quelqu'un d'autre. Ça t'apaise. Ouais. Ouais. C'est moins chiant que des enfants. Parce que t'en as deux, hein. Ouais, on a droit aussi, là. Ils sont très proches de toi, par exemple. On a une belle relation, on a vraiment du fun. Ben oui. Puis, tu sais, cet automne, j'ai passé un mois à Paris, puis ils sont venus me rejoindre la dernière semaine. Puis, on est déjà hyper soudés puis ouverts, mais là, à un moment, on était dans un café. Ça faisait longtemps qu'on avait été. Tu sais, on a des brunchs du dimanche, puis whatever, là, tu sais, parce qu'on rattrape nos vies, mais là, tu sais, on était ensemble 7 jours par semaine. Ils sont venus à toutes mes shows, on était en Bretagne ensemble, justement, parce que j'allais faire un show de tournée là-bas. Puis... Mais quand les Martins rouvrent la valve puis qu'ils se racontent tout, ils se racontent tout. Puis, tu sais, j'en ai appris, évidemment, sur des choses que je me doutais, autant de la part d'Olivia, mais encore plus de William, qui est quand même plus fermé. Confrontante en tant que père, à un certain niveau, rien de grave, mais des choses que tu t'attends de à l'adolescence. Puis quel est-ce de soulagement qui sent à l'aise de m'en parler? Oui. Mais probablement que d'avoir un modèle comme ça, qui c'est autant ouvert, puis toi, t'en parles de tes choses, fait que c'est sûr que ça donne. Ouais. Peut-être, mais je pense pas que mes enfants le voient de même. Non. Non. Qu'ils peuvent comme tout te confier ou. Mais c'est pas parce que t'es Maxime Martin que pour eux autres, t'es Maxime Martin. Mais tu restes papa. Fait que, tu sais, j'en ai souvent un exemple, vraiment, Olivia puis moi, on travaille sur un projet avec une autre personne. C'est un projet qui est vraiment intéressant qu'on a hâte d'attaquer. Puis je vais dire quelque chose à Olivia, puis tu sais, mon chum Marc va dire la même affaire. Enfin, ah, on va dire. Ouais, OK, fait, ben, tu restes. Oui, fait que, mais oui, puis. D'être ouvert. Encore une fois, puis je le conseille à n'importe quel parent, là, je veux dire, t'sais, si jamais tu as la chance, le privilège d'avoir que. Faire en sorte que ce canal-là est ouvert avec ton kid, garde-les ouverts, faisant une priorité. Mais c'est précieux, puis en même temps, ça se développe et ça s'entretient. Là. Ça s'entretient. Puis ça base d'écoute, d'ouverture, puis c'est pas toujours le fun ce que t'entends, non, mais c'est mieux de l'entendre que de vivre les répercussions plus tard, parce que tu sais, t'es capable de passer un certain message aussi. Exact. Puis on sait très bien, tu dis pas un ado, fais pas ça. Ça va juste faire un exactement. Mais tu sais, si tu dis, garde, moi, voici mon point de vue, voici. Pis c'est pas juste si les gens pensent que qu'on présume si drogue, alcool, non, mais je veux dire, Olivia dans le même métier que moi, tu sais. Pas une conseil de la vie. Pis, exactement. Fait que des fois, c'est genre. T'sais, fais ce que tu veux, moi, t'sais, mais c'est correct. Je peux pas. Il y a quelque chose de beau aussi. Si je peux me permettre une anecdote de ma vie, excuse-moi, j'ai l'impression que j'arrête pas non, on est là pour justement, ça. On était à Paris et
William était jamais venu à Paris, fait qu'on on a fait vraiment le classique Louvre et compagnie. Puis à un moment donné, Tour Eiffel, le soir, c'était... Et pendant qu'on est vraiment sur le top, il y a un couple de Québécois, deux couples de Québécois, d'après mon âge, puis on les entend parler derrière nous, puis on se revient de bord, et les deux femmes, en même temps, voient Livia, puis ils font « Mon Dieu, Livia! Oh, mon Dieu! » Quand t'as été éliminé, sortez-moi d'ici, on a assez pleuré. Et là, ils partent. Et ça dure sans niaiser un bon 5 minutes, puis Livia, tu sais, est tellement réceptive, et tellement, puis c'est juste beau. C'est là, parce que, tu sais, je veux dire, c'est ma fille, mais là, c'est aussi... Livia Martin, dans un sens de... Et il y avait un... pour moi, c'était comme un beau moment de passage du flambeau, tu sais, sans dire que ma flamme était éteinte, là, tu sais, mais... Puis c'est le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, tu sais, ils ont comme réalisé qu'il y a comme une pause, puis les deux, en même temps, ont fait « Non, mais on t'aime aussi, là! » Puis ils sont partis, mais je trouvais ça beau comme... Oui, il y avait une fierté de genre « Bravo, ma grande, tu sais, t'es en train de forger ton chemin. » T'as de quoi être fière aussi de faire comme « OK, c'est ma fille, mettons. » Exact. Tu sais, justement, t'as une belle relation avec ta fille, on le voit, elle est présente dans des moments aussi qui sont clés pour toi. On s'en va là? Ben oui. Non, mais j'aime ça. Non. C'était un beau. Juste de façon, tu me regardais, genre, regarde la grande, là. Tes belles histoires de Tour Eiffel, Colis, là. On s'en va là. Ben non, je t'agace. J'adore la Tour Eiffel. Non, ben, je sais où est-ce que tu t'en vas, puis oui, c'est important qu'elle soit là pour moi. Je te laisse le dire, mais. C'est ça, en fait. Fait que tu sais, t'es là avec toi, j'y viens, dans les dernières semaines, dans un. Si les gens ne l'ont pas nécessairement, je sais pas si. Voyons. Hey, là, on m'a tout mêlé. Le live que t'as fait avec Étienne Boulay, que t'as bien, si bien appelé ta sobriété ébranlée. Ouais, si on a brainstormé le titre, j'ai fait ça sur mon podcast. Oui, deal avec. Merci. Je sais pas si t'allais dire ou j'allais dire. Disponible sur toutes les plateformes. Je suis pas bon pour l'auto-promo. Tu peux plugger qu'est-ce que tu veux. Ouais, mais ça fait longtemps que je voulais en parler. Ouais. Puis, signe de vie par-dessus signe de vie. À chaque année, on parle du 28 jours sans alcool, mais là, c'était plus formel que d'habitude. Puis j'ai fait puis j'ai appelé le directeur de la maison Jean Lapointe, que je connais bien, qui est un chum aussi. Puis c'était comme genre, OK, c'est là que je me reprends en main. Fait que pour mettre les gens en contexte, moi, j'aime pas le mot rechute. Je vois plus ça comme un enfargement parce que ça n'a pas été dramatique. Je suis pas en train de banaliser non plus ce qui est. Mais. En 2019, il y a eu 4 mois où je suis retourné voir mon ex, que j'appelle l'alcool, mais pas à dope. Puis de façon quand même assez légère, parce que, écoute, cette année-là, on enregistrait Max et Livia, je remplaçais la radio 5 jours par semaine, je faisais mon premier full Ironman, j'en avais fait, en tout cas, tu sais, c'était, j'écrivais le prochain show qui sortait, tu sais, fait que... Puis ça... Fait que clairement, la débauche était pas grave parce que j'avais pas réussi à tout faire ça. T'sais, j'ai jamais fait une journée de tournage de Max et Livia le lendemain de veille. J'ai jamais été à la radio le lendemain de veille. T'sais, c'était des moments précis où c'est comme si le stress de mon excessivité, parce que. Mm-hmm. Puis n'importe qui va te le dire que la fatigue est le pire ennemi de tout ce de tout alcoolo toxicomane. Fait que malgré tout mécanisme de défense, ça a été un out. J'ai fait OK. Puis comme j'ai dit. Si j'avais pu boire de cette façon-là avant, j'aurais pas eu arrêté ou je serais probablement pas tombé dans la dope. Fait que... Mais après ça, ça a duré comme. En fait, je te dirais de mai-juin, là, j'essaie de. Puis jusqu'à peut-être fin septembre, un peu avant que je sorte mon show au mois d'octobre. Puis c'est là parce que c'est arrivé. Je fréquentais quelqu'un à l'époque, puis elle, ça l'inquiétait un peu. Elle avait un côté très maman. Puis. Juste le fait que j'y touche, pas parce que, tu sais, je veux dire, j'arrivais pas chez elle, l'estie. Magané. Sous, puis j'avais pris mon char, tu comprends, whatever, là, tu sais. Puis à un moment donné, je reçois un téléphone d'Étienne Boulay, puis qu'est-ce que je m'en doutais. Et qui me dit, hey dude, comment ça va? Ça va bien, toi? Tu fais non, parce qu'on est des chums, mais comme des bons chums, on se parle pas souvent. Fait là, il dit, hey, il me semble que ça longtemps qu'on s'est pas vu. Entrais-tu qu'on aille prendre un café? Puis je fais, Chris, dès que deux alcoolos se parlent, que le mot café, tu fais comme, c'est une intervention d'autre. Il dit, ben, Chris, oui, c'est Cathy m'a appelé, puis tu sais, j'aimerais ça qu'on se parle. Puis tu sais, on s'en est jasé. Puis... Cathy qui était la conjointe à ce moment-là. Ouais. OK. Et ça a repris le bord. Et fin pandémie, c'est revenu, encore une fois de façon légère. Tu sais, à un moment donné, les shows étaient annulés, tous mes événements sportifs étaient annulés, tout ce qui était marathon, triathlon, ça prenait le bord. Même si on voyait à la fin, tu sais, c'était comme...
Puis moi, je pensais que je m'étais sorti intact, indemne de la pandémie, mais je me suis rendu compte qu'il y a eu une accumulation probablement très subtile. Et pas juste par rapport à l'alcool, mais même à la santé mentale. Parce que moi, j'étais chanceux. Je veux dire, j'étais à la radio, je gagnais bien ma vie, je sortais de la maison. J'allais en studio. Je voyais les mêmes quatre faces tous les jours, mais je voyais les faces. Fait mais ça, tout ça aussi, ça finit par me rattraper. Puis, tu sais, fait que les fins de semaine, je rentrais. Puis, genre, on n'avait rien à faire. On était en isolement. Fait que, tu sais, je jouais Xbox. J'étais directeur gérant des Sénateurs d'Ottawa. C'est une job très top. C'est dur de rester sobre quand tu. C'est du temps plein. Et joke à part, encore une fois, la dope ne fait pas surface. Fait que, c'est OK, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est un choix de vie que je veux faire. T'sais? Fait que. Et quand je suis parti de la radio. T'sais, j'en ai parlé déjà, mais je vais l'énumérer. Il y a un 6 mois condensé où place ma mère qui est en détresse psychologique, une fois ben, placée. Elle n'est pas en cage, là. C'est quand même une belle résidence. Qui m'avoue qu'elle prend ça comme un « OK, tu m'aimes plus ». Je n'ai jamais pas vu ce point de vue-là d'un parent. Quand c'est une forme d'abandon pour eux autres. L'accident de mes deux kids à Noël, je suis en perte totale. Déménage avec ma blonde de l'époque, puis on sait que c'est une gaffe. J'apprends qu'un chum est fraudeur. Mon oncle se suicide à deux rues de chez nous. Quand je cours avec elle, je passe devant. C'est crissé dans le fleuve. Il y a un problème de dépendance aux médicaments, lui. Ça fait quand même longtemps que je n'avais pas vu. Ça m'a affecté, mais. Puis là, la marde pogne à radio, puis c'est genre, OK. Tout ça qu'on en sait. Écoute. Puis là, je suis arrivé en France, parce que la France faisait partie de ma bucket list. Il y a un mélange de. Clairement, ça allait pas. Panique de cinquantaine, de « il me reste encore des choses à faire, je me saute sur un chèque de paye, tu sais, whatever, c'est le gros questionnement. » Puis, tu sais, une chicane banale, pas banale, mais tu sais, c'est normal, Chris, il n'y a pas une équipe de radio qui n'a pas… Tu sais, j'ai comme fait par exprès dire pour crisser le feu, tu sais, le feu aurait pu être éteint rapidement, mais j'ai mis de l'huile dessus. J'avais besoin, je pense, de me botter le cul et de penser à d'autres choses dans ma vie. Mais comme j'ai dit, j'avais sous-estimé à quel point que ça allait mal. Puis quand au début, c'était une pause de radio. Puis j'ai crissé mon camp en France parce que la France était sous ma liste. Je sais pas pourquoi ça m'appelle, faut que j'aille rétablir Puis quand je suis arrivé, c'était la première journée que les autres étaient déconfinés. OK. Puis de passeport vaccinaux. Fait que, tu sais, tout le monde sur la terrasse, des Français. Chaise collée, petite table, ça parle fort, ça a une clope dans la gueule, ça a un verre de vin dans l'autre. Je me suis commandé à manger, puis quand le serveur est arrivé, il dit « Voulez-vous quelque chose à boire? Voulez-vous un petit verre de vin rouge? » J'ai fait « Oui, asti. » J'ai traversé la rue, puis je suis allé me chercher un paquet de Marlboro. Oh. Rouge! Pas les blanches! Les rouges! Et c'était genre « OK, go! » Mais là, c'est parce que j'avais plus aucun mécanisme de défense. C'était tout ce qui arrivait. Malgré mon coffre d'outils bien outillé, j'avais pas l'outil nécessaire pour faire. Fait que ce bout-là était plus régulier, là, ça a été mais en même temps, tu sais, je m'entraînais quand même pour, tu sais, ce que j'aime à cause des triathlons, puis tout ça, c'est que j'ai quand même un deadline qu'il faut, tu sais, qu'il me dit, bon. Mais, j'ai comme plein de questions, là, dans... Il y a plein de choses qui me passent. Mais cette soirée-là... Il peut pas m'interrompre, sinon moi, si je pars, restez, là, c'est correct, on va faire une place one-man show aussi. Quand on parle de la fois où tu as comme trébuché à nouveau sur la terrasse, cette situation-là, comment ça s'est passé, ce moment-là, de regoûter à l'alcool, de comme vivre ce moment-là? Bien, comme je te disais, depuis la fin 20, depuis 21, je goûtais de temps en temps. C'était pas tous les jours, c'était même pas tous les semaines. Ça ressemblait à quoi, mettons, la consommation? Et c'était pas régulier, parce que des fois, à un moment donné, c'était toutes les fins de semaine. Des fois, c'était sous contrôle, des fois, c'était une bonne brosse. Mais une bonne brosse, quand ça fait des années que t'as pas bu, c'est comme 4 bières. Mais tu sais, c'est... Pour le, c'est quoi je que j'aimais bien? C'est la bière japonaise, Sapporo. OK. Ouais, puis les brasseurs de Montréal, l'IPA. Mais tu sais, c'est que c'était comme des cannes, tu sais. Mais veux pas, tu sais, 4, c'était assez parce que le lendemain. Des fois, je reprenais un verre le lendemain pour m'enlever mal de tête parce que ça me rappelait que ce que j'essayais plus de la consommation, c'était les lendemains. T'sais. Mais je savais que j'avais la radio lundi, fait que tu sais, le dimanche, tu sais, il y avait une petite routine. Puis là, à un moment donné, des fois, je prenais la chienne que je suis en train de me mentir, que j'ai ça sous contrôle, je tue. Fait que, tu sais, je prenais une couple de semaines off. Tu sais, j'ai déjà été dans un tout inclus, tout seul, puis j'ai pas bu la semaine. Pendant ces moments-là. Oui, oui. OK. Tu sais, je veux dire, quand la pandémie s'était. Ouais.
Mais, fait toujours ce besoin de me prouver que c'était sous contrôle. Puis, à un moment donné, comme je te disais, tu sais, il y a des moments calculés où c'était quasiment écrit dans l'agenda quelle journée que je voulais me permettre. OK, j'ai pas de show. Hein? OK. Souvent au chalet dans Charlevoix, puis j'étais tout seul aussi, ça m'entendait pas. Mon entourage, je savais, Livia le savait évidemment, parce qu'on se raconte tout. Fait que mes proches le savaient, puis donc j'avais plein de chiens de garde en même temps. Je le faisais souvent dans Charlevoix parce que j'avais la crise de peur. C'est comme... Mais pour ça, tu tombes des petits mensonges, tu t'en vas au dépanneur, j'achetais souvent des produits locaux dans Charlevoix. Hein. Ouais. La flacatoune, c'est le nom de la bière. Et mes chums à Montréal, tu sais. Ah, quand, allez, parce que les gens mentir, le savent, mentir, ouais, fait que... Ça recommençait à s'installer, ouais. Puis, mais tu vois, regarde, tu vois, le mois que j'ai passé en France, je te dirais que la première semaine a été, tu sais, oui, je me suis amusé, puis après ça, ça a été 3 semaines clean, tu sais. Puis, il y a juste vers la fin, quand les kids sont arrivés, justement, le fameux jour de la Tour Eiffel, Olivier avait pris un verre de vin blanc, j'ai pris un verre de vin rouge, puis les deux, on en a pris deux, tu sais. Ça s'est arrêté là, tu sais. Mais avec une discussion là-dessus, tu sais, je me souviens que Livia, à un moment donné, m'a dit, tu sais, OK, bravo, là, t'as prouvé que t'es capable de boire raisonnablement. Bravo. Tu sais, tu t'es penché la face, good. Elle dit, mais moi, je préfère que mon père est sobre. Puis c'est pas comme si je suis déplaisant aussi ou whatever, tu sais, je suis pas un... Mais évidemment, tu sais, c'est quoi quand même? C'est comme, tu sais, je savais que j'allais arrêter au début de l'année. Fait que, tu sais, pendant le temps des fêtes, je me suis permis un peu, tu sais, justement, avec Livia, son nouveau chum, tout ça. Puis, à un moment donné, tu vois que t'es comme n'importe quel sulon, t'es intense. Puis, ah, quand, j'aime pas, tu sais. Fait que, puis ce que j'aime, c'est que la première fois que j'ai arrêté, c'était, j'avais pas le choix. En 2009, j'avais tout perdu, là. J'avais plus de carrière, j'avais plus d'argent, tu sais. Je m'allais dans un mur, je pense que j'étais déjà en train de frencher le mur de briques, là, tu sais. Puis, tu sais, Dieu sait ce qui serait avec ma relation avec ma fille, tu sais. Je t'aimais plus Maxime Martin, je te niaise pas quand c'était comme, hey, tu me fais penser à quelqu'un qui a déjà été connu. Je me souviens de cette phrase-là. Ah oui, ouais. Ça fait ouais, mal. Ça fait, ça. Ouais. Puis, fait que c'était un arrêt pas d'urgence, je sais pas comment appeler ça, là, mais c'était comme... Un arrêt d'agir. Tandis que là, c'est une décision légère, c'est une décision santé, en fait. Tu te sentais comment d'arriver, mettons, de mettre ça sur la table, là, tu sais, de... De le dire? Oui. Ben, en fait, c'est pour ça que quand j'ai fait le podcast, je voulais que Livia soit là, puis j'en avais parlé à Étienne, je voulais qu'Étienne soit là aussi. J'ai fait son podcast cet automne. Chiller chez Boulay, on plug tout. Ben oui, tout le monde. C'est ce que j'aime de ce monde-là. Non, mais ben, Chris, c'est vrai, c'est la fraternité, c'est les podcasts, je trouve ça extraordinaire. Mais, joke à part, c'est comme, j'ai failli en parler là, mais là, je me disais, si on ouvre cette porte-là, tout ça. Je savais que, parce que, j'ai toujours été transparent, j'aime pas me sentir comme menteur, j'aime la dernière, me sentir comme un hypocrite encore moins, ou imposteur, appelle ça comme tu veux. Tu sais, même ça fait 6 ans que mon livre est sorti, genre, sans niaiser, encore chaque semaine j'ai des messages. Oui. Tu sais, je voulais être honnête aussi envers ces gens-là. Oui. Tu sais, je voulais pas qu'on me voit comme une espèce de modèle de perfection, là, ça fait sans prétention, tu sais, mais je voulais savoir que. Parce que moi, j'aurais pu tout balayer, personne n'aurait jamais non, su. C'est ouais. Ça. Fait que. Puis ça me tentait pas. Puis moi, ça m'allégeait aussi. Tu sais, je veux dire, j'ai été quand même un bon 10 ans et plus sans boire ni consommer. Puis là, tu vois, là, mon compteur, j'ai reparti le compteur le 7 janvier. OK. Puis même avant ça, tu sais, écoute, je pourrais te dire, j'ai bu le 6 parce que je voulais arrêter le 5. Non, j'arrêtais le 6, mais c'est la même journée d'anniversaire d'arrêt qu'Étienne Boulay. Pas en même date. Puis il me restait une coupe de bière dans le frigidaire. Je vais leur crier, ça, on l'aura pas la même fête, le même anniversaire. Mais après ça, c'était le 25. Après ça, ça allait. J'avais bu le 25 avec les kids, comme j'ai dit à Noël. Après ça, ça allait au début de. Si je pourrais te nommer tous les dates, moi, je les écrivais, tu sais. OK. Puis j'avais hâte d'arriver à ça parce que je savais. Puis quand j'ai repris cette décision-là, c'était une décision légère. OK. Je me sens. Elle est fun à prendre parce qu'elle n'est pas forcée, elle est vraiment volontaire. Ça me tente plus. Tu sais, cette année, je me suis donné beaucoup de défis sportifs. J'ai écrit un nouveau show. Puis non seulement ça, parce que même des fois, quand j'écris aux gens, parce que c'est pas juste la sobriété, c'est aussi la lucidité d'avoir la tête claire. Puis il y a un buzz là-dedans aussi. Tu sais, avant qu'on commence le podcast, on s'est parlé de plein de signes de vie. Mais quand t'es pas tout là, t'es manque ces signes de vie-là. Puis c'est des signes qui te guident aux bonnes places en général. Tu sais, fait que je trouve ça le fun. Puis
puis t'as pas attendu de tout perdre avant d'arrêter, tu sais, que c'est comme ton libre choix de... Puis est-ce que tu remarques qu'il y a un dénominateur commun dans les fois où est-ce que tu t'es enfargé, dans les moments où est-ce que t'as reconsidéré la consommation? Il y en a deux. Ouais. Ben, comme j'ai dit, la consommation d'alcool, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce que, juste une parenthèse là-dessus, tu fais... Parce que moi, d'abord, je vais arrêter de boire pour pas sniffer. Puis mm-hmm, là, tu fais « OK, là, je bois, puis j'ai pas envie de sniffer. » C'est normal, oui. Ah, mm-hmm. Fait que peut-être que... Parce que c'est sûr qu'il y a un côté un peu chiant par moment, surtout dans une longue sobriété, de dire, tu sais, de voir du monde... Puis même malgré le fait qu'il y a des super bons produits sans alcool, et oui, il y a un effet placebo qui fonctionne, ça, mais à un moment donné, il y a cette espèce de... mais il y en a deux. La fatigue. Ben, tu sais, ce que j'ai vu, là, tu sais, le printemps 2022, là, c'est comme tout chie dans ma vie. Mm-hmm. Fait que là, c'est clair que... fuck that. La réalité est trop douloureuse pour moi, fait que manger tout de la menthe, c'est comme un fuck you à tout le monde, là, tu sais, là. Et quand je suis trop de bonne humeur... Parce que moi, je me rends compte que mon vrai gros problème, c'est que je suis un junkie d'adrénaline. Mm. C'est la source du problème est vraiment là. Il n'y a pas une semaine que j'ai pas une intervention de mon entourage ou les gens avec qui je travaille de calice max ralenti. Ouais. T'es dans les extrêmes des émotions. Comme mais de tout. Mon horaire est complètement dingue. T'sais, cette année, je me suis inscrit à 4 demi-Ironman. J'aurais pu en faire juste un calice. Ça jongle 4 parce que c'est pourquoi quelqu'un m'a dit... Parce que l'année passée, mes temps ont ralenti un peu, mais je m'étais plus ou moins bien entraîné parce que, comme je te dis, des fois, j'avais des petits moments de relâche d'alcool. Fait que je manquais peut-être une journée d'entraînement ici à gauche. Mais tu sais, ça fait une différence quand tu... Mm-hmm. Puis quand quelqu'un m'a dit « Ah, tu vieillis, Max? » J'ai fait « Oh, ben, mais tabarnak. » Je vais te prouver que non. Non. Fait que là, le but, c'est d'en faire un des quatre cette année en bas de 6 heures puis faire « Fuck you, man! » Mais en tout cas, mais ça pour dire que... Et je sais... Puis des fois, tu sais, mettons, je vais courir avec Horace, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un bon meeting, je me mets devant l'ordinateur, j'écris, tu sais, une journée parfaite. Mm-hmm. Ça crée un certain buzz, ça crée une fébrilité à l'intérieur de soi. Et là, toutes les in, sérotonine, adrénaline, toutes les bons in. Mais comme t'es un toxicomane, ben, tu veux que le buzz aille encore plus loin. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est la prochaine étape. On va prendre une bière. Puis c'est là aussi, comme on est, le 2 plus 2 faisait que. Surtout cet automne, genre, quand j'avais ce moment-là d'extase, de dire, OK, moi, dès que je prenais une bière, ça faisait schlunk. Tu sais, c'est comme si ça m'enlevait le fameux buzz que j'étais en train de vivre. C'est ça le downer total. Ça, j'allais te demander, tu sais, dans les dénominateurs communs, quand t'en prenais, est-ce que t'avais l'effet comme désiré ou, tu sais, des fois, au contraire, ça t'amène full honte ou culpabilité ou anxiété ou. Mais il y avait un mélange de tout, tu sais, je veux dire. Encore une fois, parce que c'était parsemé, t'as pas l'impression d'avoir une perte de contrôle. Si le soir que je me donnais permission, je dépassais, mettons, ma limite de 2-3, puis 2-3, c'était 4-5, c'était pas une douzaine de je vidais pas une caisse. Le lendemain, t'as un down. Non, mais tu sais, des fois, comme je te dis, je me fais avec un mal de tête, j'ai eu ça pour mourir. Fait que, puis une journée que j'avais rien à faire, mettons, je suis allé, mais tu sais, c'était que genre. C'est aussi une façon de. Parce que je m'impose un beat de vie trop ridicule. Tu sais, comme Livia me dit tout le temps, elle dit toi, anyway, on sait comment tu vas crever, tu vas péter aux frettes, là, tu sais, là. Fait qu'à un moment donné, tu vas partir courir, tu reviendras pas, mais la police va m'appeler, puis ils vont aller chercher ton corps. Mais clairement, c'est ce qui s'en vient, je sais pas, le plus tard possible, mais tu sais, ça. Fait que c'est aussi une façon de moi-même m'imposer un frein. Oui. Mm. Fait que, tu sais, ça m'est arrivé des fois les matins de. Il était 10h, 11h, puis commander de la pizza, puis me prendre une coupe de bière, m'avait mal de la tête, puis là, il y avait un côté gamin. Mais là, c'était juste une façon de gérer le down. Puis de le retarder un peu. Mais dès que le down est arrivé, après ça, tu y fais face. Parce que j'ai toujours dit, j'ai encore fait des conférences cette semaine où j'ai avoué cette embûche-là, mais dans un état secondaire, tu vas juste fuir ta réalité. Fait que tu le sais, faut que tu y fasses face. C'était pas majeur. T'sais, c'était pas des downs comme à l'époque. Mm-hmm. Je veux dire, quand j'arrêtais en 2009, il y a des fois que si j'avais pas eu Livia dans ma vie, je suis pas mal sûr que j'aurais encastré mon char dans un mur de béton. Mm-hmm. Je veux dire, c'est clair. Là. Tu te sens au dépourvu, je voyais pas comment j'allais m'en sortir. Je dis, j'avais perdu le contrôle. Fait que là, c'est différent. Fait que c'est un drôle de. C'est une espèce de zone. Pas une zone. C'est différent d'une in-between. Oui, il y a de l'extase, mais tu sais que cette extase-là est pas le même extase que quand t'es sobre. Fait que tu sais, c'est leur processus. Pourquoi est-ce que je fais ça encore? Mm-hmm. Je le répétais pas assez, mais comme c'est pas, tu sais, régulier,
c'est comme un, c'est, je sais pas, c'est comme un drôle de pattern. C'est comme, tu sais, je peux être 2-3 semaines, un mois sans boire, puis là, je dis, OK, à soir, maison tranquille, je suis fatigué, relax, sénateur d'Ottawa. Fait que, tu sais, c'est comme... En fait, je pense, au bout de la ligne, je pense que je suis juste allé me reconfirmer des affaires. Une revalidation un peu de... Ouais, c'est genre, OK, voici pourquoi j'ai tourné la page là-dessus. Puis... Merci, merci à la vie, mais merci à moi, j'imagine aussi, parce que j'ai assez de contrôle pour pas non plus. Mais tu sais, c'est un dilemme que j'ai eu. Comme si la première fois que j'avais bu, je m'étais acheté un sac de poudre, j'aurais peut-être fait, oh, OK, c'est le grand, là. Ouais. Retourne au CRDM, va chercher l'intervenante, va faire des meetings, tu sais. Mais il y avait cet in-between de, OK, c'est ça, être modéré. Oui. Parce que toi, t'avais connu l'excès, tu sais. Exact. Fait que. Puis donc, je le répéterai pas encore une fois assez, mais. C'est le fun de le faire de façon juste. J'ai pas envie de gaspiller une journée de ma vie. Mais justement. C'est volontaire, t'sais. Tantôt, tu parles de pas gaspiller une journée de ta vie, tu parles de tous les millions de projets, le sport est dans l'extrême un peu de. Est-ce que tu penses qu'à un certain moment, de te mettre autant de choses puis autant d'engagement, justement, c'est une façon de te protéger, de prévenir la rechute un peu? Parce que. Est-ce que ça a déjà non, été j'aimerais ça le comprendre. Ouais. Des fois, je me dis est-ce que c'est-tu inconscient? Parce que, tu sais, moi, j'ai été sous puis je l'ai tête, là, de... Qu'est-ce quasiment de 20 ans à 39 ans, là? Mais surtout dans la trentaine. T'sais, dans la vingtaine, je veux dire, début de carrière, c'est un autre... Mais... Ben, de la fin vingtaine, tu sais, déjà à la fin vingtaine, on m'en parlait, tu sais. La mère de ma fille m'en avait déjà parlé, tu sais, puis... Fin vingtaine à début trentaine, tu disais que ça a comme été un 10 ans. Ouais, je te dirais de 27-28 ans jusqu'à 39, ça a été. Surtout genre de 33, après séparation avec Héloïse, la mère de ma fille, de 33 à 39, c'était pas chic. Puis, non, tu sais, j'en raconte des fois que je te menais conférence, là, tu sais. Ça ressemblait à quoi, mettons? Ben, c'est pas que ça. C'était pas tous les jours. Un moment donné, je voyais bien que ma carrière dégringolait. Le compte de banque va être vidé aussi, tu sais. Ouais. Parce que ça coûte cher, la consommation. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, je n'y fais pas 8 grammes non plus, tu sais. Mais tu sais, ça ressemblait à quoi? C'était un jour la marmotte, là. Ouais. La consommation. Tu sais, c'était genre, hey, aujourd'hui, là, comme let's go, Max, là, t'es capable. Next thing you know, aussi, t'es dans un 5 à 7. Puis là. Parce que moi, j'adorais boire, mais j'aimais pas être sous. C'est la première fois que j'ai fait de la poudre. Ça, c'est pas des farces. La première fois que j'ai fait de la poudre, j'étais comme sous-mort. Puis j'avais peur d'en faire. Je l'ai faite parce que j'étais entouré de chums. Puis j'avais peur d'avoir l'air momoune. Puis j'avais 32 ans. Imagine. Pression de cours d'école à 32 ans. Ouais. Puis sans niaiser, je me suis fait une traque. Quand je me suis levé la tête, j'ai fait tabarnak, je peux boire éternellement. Je niaise même pas. Je venais de trouver la zone. Du bonheur de l'alcoolique. Fait que, puis après ça, tu sais, comme tu l'as dit, là, tu sais, t'étais promis que non, puis là, si 4h du matin, t'es chez du monde que t'as rencontré, mais que sont maintenant tes nouveaux mecs, putain. Tes nouveaux amis. Tu te lèves, tu scrapes comme de la merde, tu manges de la malbouffe. Tu sais, le down passe, puis là, t'as 2-3 jours de sérénité où est-ce que, tu sais. Tu sais, je l'ai écrit dans mon livre, moi, je me souviens d'une journée, j'ai fait le party jusqu'à 4-5h du matin chez nous. Je consommais beaucoup tout seul chez nous parce que. Qui va endurer d'autres coquilles, genre. Mais, tu sais, moi, je suis un artiste. Fait que ça parle pas de moi, j'ai pas d'intérêt dans la discussion. Non, mais c'est une façon de me cacher aussi, parce que je savais bien que le monde commençait à s'inquiéter. Fait que c'est pour ça que je consommais tout ça à la maison. T'es rendu à un autre niveau quand tu te caches aussi, là. Ben, je sais pas, hein. Ouais, c'est ça. Puis je m'étais couché, je pensais à 4-5 heures du matin, j'avais dormi 2 heures. Puis je m'étais levé, j'étais descendu les escaliers, puis. Sur la table, il y avait des bouteilles d'alcool vide, là, tu sais, fort, vin, bière, tout. Mais il y avait la bouteille de vin maison qui était vide. Il faut que tu aies soif en crise, boire du vin de cuisson. Là, tu sais, enfin, hein. Puis des sachets de poudre ouverts, que, tu sais, tu liches même la fin, c'est pour être sûr de pas gaspiller un fucking grain. Là, tu sais. Puis il faisait beau. C'était un mois de juillet, puis il faisait super beau dehors. J'étais comme, ah, c'est-tu d'épais, tu viens de gâcher une autre crise de belle journée. Puis quand j'ai vu le comptoir, vraiment une scène de film, là, à genoux, à pleurer, puis il a dit, tu as demandé, Dieu aide-moi. Là, puis je me souviens, il y avait un lac d'eau frette pas loin chez nous, même l'été, je sais pas pourquoi l'eau était plus frette qu'ailleurs. Mais... Puis je sautais là, je me disais, si je pourrais crever, je testais mon cœur. C'est comme, si je peux péter au frais, je vais le savoir tout de suite. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est tout ça de... Je peux t'en raconter pendant une demi-heure. Oui. C'est déjà une période où j'avais eu le nez tellement galé
comme année, je me suis acheté un sac de poudre, puis en le sniffant, ça retombait parce que j'avais le nez. Fait qu'imagine, tu te dégales le nez pour te crisser de la poudre dedans. C'est assez rock bottom, là. Fait que, tu sais. Y a-tu des moments où tu vas toujours garder en tête que tu vas dire comme, hey, ça, c'est des moments où ce que je me suis dit comme là, je l'ai échappé maintenant. Tu sais, l'exemple que je viens de te raconter, c'est pas mal. C'est toujours lui qui m'en vient en tête. Il y en a plein, tu sais. Tu sais, je me suis emmené, je sortais d'un bar, puis j'avais mes clés de char, puis j'étais gelé, puis j'étais sous. Puis, il y a deux jeunes policiers qui m'avaient arrêté de m'empêcher d'embarquer dans mon char, tu sais. Puis, ils se doutaient bien, ils voyaient bien mes yeux, puis tout, tu sais. Puis, ils m'ont pas demandé ce que j'avais sur moi, mais ils auraient pu, tu sais. Puis, on fait, gars, je pense que le grand. T'sais. Puis, c'était deux petits jeunes, tu sais. Moi, j'avais, comme je te dis, j'étais à mi-trentaine, mais ils devaient sortir des Nicolettes, là. Ils devaient avoir, 25-26 ans, là, tu sais. Puis on fait toutes tes chansons, on est fans, là. Tu vas prendre un taxi, là, puis tu vas t'en aller chez vous, Chris. Mais dis-toi que si t'as tombé sur une autre gang, t'aurais pu te faire chier. Mm-hmm. Puis en même temps, je me dis, Chris, ça m'aurait peut-être fait du bien. Ah ouais. Tu sais, de me faire pogner, calice, là, tu sais, là. Fait que, mais regarde, la vie a décidé de ce parcours-ci. Puis c'est pour ça, on revient à ce qu'on dit tantôt, quand je regarde mon horaire, c'est souvent quand je dis, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans de ma vie. Puis tout le monde dit, non. T'as appris. Leçon de vie. Ouais, j'ai appris. Je pense que j'ai doublé mon année une couple de fois parce que Chris. T'as fait plus court, là. Ouais, t'as pas besoin, là. C'est un doctorat de doctorat de doctorat, là, tu sais. Fait que je pense que je vais toujours avoir cette urgence de vivre-là. Puis, on fait le lien avec la consommation, mais pas juste ça, tu sais. Moi, je suis un de ceux qui croient à la vie après la mort, la réincarnation. Je crois qu'on a une mission quand on vient ici. Je trouve que c'est un esti privilège d'être un être vivant sur une planète qui accueille la vie. T'sais. Je veux dire, oui, moi, je crois aux extraterrestres. Faut que tu sois un esti d'épée de penser qu'on est tout seul dans l'univers, mais j'en ai jamais vu tant que je ne l'ai pas vu. Mais il y a plein de monde qui croit à Dieu puis on l'a pas vu non plus. Fait que, mais ça pour dire que c'est un privilège d'être ici. Fait, t'sais, quand, t'sais, on parlait de triathlon et de marathon tantôt. J'étais dans l'Écosse, j'étais allé aux îles Canaries, je m'en vais au Portugal, je m'en vais. La planète, elle est grande, elle est belle. Ouais. Fait que j'ai besoin de. Puis ça, malgré les 10 ans que je considère que j'ai gaspillé, je l'ai toujours en dedans de moi. Là. Je me souviens, moi, j'avais 10 ans, puis après le souper, mon grand plaisir, c'était de me promener dans les rues du quartier, puis d'agrandir mon cercle, en sachant très bien que ce monde-là, j'allais l'explorer à un moment donné. Mm-hmm. Ça a comme toujours été en toi. Ouais, l'aventure, c'est. Tu sais, cet été avec Cora, j'ai vécu un sacré trip. On est parti 3 semaines en van life. Un voyage improvisé. On n'a pas été super loin, mais improvisé. Où c'est qu'on va demain, où c'est qu'on va, blablabla. Bla, bla. Les gens que tu rencontres, etc., etc. Puis non, moi, je suis faite pour être un vagabond. Ouais, tu vis tellement d'affaires, c'est. Ouais. Mais puis j'ai le métier pour. Ouais, c'est sûr que. Puis présentement, je suis en rodage du prochain show. Puis. Tu sais, je vais en faire un show en fin de semaine à Saint-Honoré-de-Beauce puis à Lester. Lester, j'avais jamais. Je sais qu'il est sur le banc. Exactement. C'est dans le coin de Laurier Station, ça va vous donner un indice. Mais... Ben, crois-le, crois-le pas. J'ai autant de fun dans ces petits villages-là que je peux en avoir quand j'ai fait des choix à Paris. Ouais. Prendre mon char, embarquer sur scène, que ce soit dans un centre communautaire d'un petit village québécois ou bien un petit théâtre de 1000 places en France comme j'ai vécu la dernière fois. C'est comme le high. C'est le même. Non, mais le même. Tu sais, je dis juste. C'est un esti privilège, la vie que j'ai. Moi, ça me fait rire, parce que ceux qui disent... Je pense que la pire gaffe que tu peux faire dans la vie, c'est chialer contre la vie ou blâmer la vie, ou la vie est injuste, la vie est contre moi, puis non. Anyway, là, on tombe pas dans la psychologie, ça, mais si t'as des problèmes, la source, c'est pas dur à trouver. T'sais. Quand tu te brosses les dents, ce que tu vois dans le miroir, c'est pas mal la source. Fait que... Puis parce que moi, je le sais, la vie m'a jamais lâché. C'est même plus une deuxième, troisième vie. Je dois en avoir eu, c'était 140. Mais c'est ce que je trouve qui est beau dans la vie. C'est qu'à chaque fois que tu me démontres vraiment ce que tu as envie d'accomplir, ce que tu veux réussir, elle le capte, ben elle te le donne. Au même niveau qu'à chaque fois que j'ai pris les choses pour acquises, elle fait « OK, tu t'en calises, moi, tu vas l'enlever. » Tu sais, c'est quasiment une loi de la physique. Si tu regardes vraiment l'histoire de ta vie, puis tu prends juste... Si tu faisais des... Pourquoi je fais ça? Je suis gaucher. Mais si tu prenais tu verrais le lien entre les deux. Oui. C'est pas de la spiritualité à deux scènes. Non, c'est ça. Puis c'est pas du bouddhiste de banlieue. Là, tu comprends? Je pourrais me dire ça. Là, c'est comme, il y a un lien vraiment. Fait que c'est une loi de la physique à respecter, selon moi. T'sais. Ben oui, puis ça a été prouvé à multiples reprises. Là, on pourrait en parler longtemps. Là, c'était notre sujet
hors cam qu'on a parlé. Ouais, mais ouais. Cool. Allons-y. Mais tu sais, quand tu parles de la vie, t'as enlevé certaines choses que t'as prises pour acquis, est-ce que dans les dernières années, il y a comme des prises de conscience ou des choses que t'as comme réalisées par rapport à ton parcours que... Ben, oui, c'est... Il y en a tellement. Tu sais, c'est drôle parce que je... Tu sais, évidemment, t'sais, quand ma vie professionnelle aussi a été ébranlée en 2022, tu sais, la série Max Olivier revenait pas, ce qui est normal, une série, c'est pas éternel, tu sais, mais c'est parce que tout arrivait en même temps. Ouais. Fait que, tu sais, la première des choses, je me suis dit, bon, Chris, c'est-tu l'auto-saboteur en moi qui est revenu? Tu sais, qu'est-ce que j'ai... Puis en fait, je pense que tout ce qui se passait dans ma vie, tout ce que j'ai raconté tantôt, le message numéro un, c'était Max, c'était pas sur ton X. Fait que là, l'important, c'était de retrouver ce même X-là, tu sais. Puis d'exprimer, encore une fois, tu sais, ce que j'avais envie de vivre. Tu sais, le podcast, le nouveau show, un livre. Je sais pas quand est-ce qu'il va se terminer, mais tu sais, au moins de... Mais il y avait une angoisse aussi qui allait avec... Mon Dieu, je suis dans la cinquantaine, tu sais, homme blanc hétéro, c'est pas l'affaire la plus à mode présentement. Je suis pas en train de jouer à victime, mais... Mais de toute façon, peu importe, tu sais, l'époque... Plus tu vieillis, puis dans le showbiz, ça pousse derrière toi, puis c'est normal, c'est la réalité. Ouais. Fait que tu te demandes où est-ce que t'es rendu dans cette espèce de palmarès de showbiz, puis après ça, ça m'a juste... J'ai l'impression que tous les signes de vie me disaient, veux-tu bien faire tes affaires, puis calisse-toi du reste. Mm. Et mais vraiment, là. Puis tu sais, puis à un moment donné, je reviendrai là-dessus sur la lucidité. Il y a deux exemples que j'aime donner. Enfin, il y en a plusieurs, je pourrais passer une demi-heure. Tu sais, je parlais tantôt, hein, avant qu'on commence, du voyage en Utah que j'ai vécu. On n'a jamais conclu, par exemple. Je suis allé faire un camp d'entraînement de vélo en Utah et je revenais d'un Ironman aux îles Canaries qui m'a juste pété. J'avais sous-estimé. Ben, un, c'était le plus tough au monde, pis ça. Oh mon Dieu. Je l'ai su là-bas. Ah, super. Parce que devine qui fait pas ses devoirs quand. Maxime Mardin. Oh, allez, c'était là, je me suis dit, on allait chercher nos dossards, on était une trentaine de Québécois, puis il y en avait la moitié qui faisait le. Fait qu'on est parti en gang, c'était pas loin de l'hôtel. Puis c'était marqué Lanzarote, World's Toughest Iron Man. Ils se prennent au sérieux. Puis là, il y a un silence, ils ont fait. Mais c'est parce que c'est le plus tough. Écoute, un vent de face en vélo de 45 km/h. Ah. D'habitude, ça me prend autour de 6 heures. Ça a pris 7 heures. Écoute, 7 heures et demie. Ça m'a pété dans tous les sens. Fait quand on m'a invité, c'est la même gang qui m'a invité au camp d'entraînement en Utah. J'ai fait fuck you, man. Je gagne pas ma vie à faire ça. Faut que je travaille. Dis non, regarde, viens juste. Puis je suis tellement content d'avoir dit oui, puis... Mais pas dans une bonne place dans ma tête. Justement, c'est là que j'ai vraiment appris officiellement que Max Olivier, c'était fini. Tu sais, c'était comme, quand est-ce que le petit fucking cauchemar va finir, là, tu sais? C'était comme, quand est-ce que je vais, tu sais, avoir une petite bouée de sauvetage à laquelle m'accrocher, tu sais? Puis un moment, je parlais avec une chum, puis elle me disait, c'est-tu quoi ton petit problème? Parce que moi, les gens me parlent de même. Elle dit, tu sais, Max Olivier, la radio, Journal de Montréal, ton show, ton livre, tout, elle dit, tu sais. Elle dit, tu t'entêtes à vouloir finir de peinturer une toile qui est déjà terminée d'être peinte. Arrête, elle est finie. Fait que cette toile-là, accroche-la sur le mur, là. Touche, j'y pue. Sors-toi une nouvelle toile, puis recommence à peinturer. Hein? Wow. Ouais. Et là, je te jure, je me sens allégé. Puis la même journée, puis c'est une de mes anecdotes préférées, on est en vélo, on se tape quand même à 120 km. Puis un moment donné, on est comme sur une piste cyclable, puis on dépasse une fille qui est en bixi, en train avec son petit selfie. Mais c'est parce qu'elle tient son chien en laisse à côté, puis c'est un petit chien qui devrait pas courir à côté d'un vélo. Là, j'étais en tabarnak, t'sais. Je pète une coche, j'étais comme le coach était devant moi, j'étais derrière, j'étais comme, voyons, crise de style épaisse, j'espère pas qu'elle se plante, parce que je veux pas que le chien se fasse mal, voyons, crise, gnignigni. Là, il s'appelle Phil. Phil, il me dit « Hey, où Max, la fille? » J'étais en arrière, là, Chris, là. Ben, justement, laisse-toi en arrière de toi. Fait c'est comme la vie drôlement faite. On était à peu près à 4-5 km plus loin, puis... On est de même, mais on va quand même assez vite, puis il y a une pente qui s'en va de même, puis une femme dans soixantaine sur un vélo électrique qu'elle ne maîtrise pas très bien. Tu sais, quand ça va vite, t'entends « Oh my God, oh my God, oh my God, c'est pas bon signe, hein? » Et Phil est dans sa bulle, je suis sûr qu'il va avoir, puis qu'on va ralentir, mais lui, je sais pas ce qui se passe. Et il passe d'en face, genre à 2 mètres. Puis mes bras, il fait « What the fuck, lady? C'est Chris, nanana, nanana! » Je fais « Hey, Phil! Hey, où la fille? » Mais ça, cette journée-là, je l'oublierai jamais parce qu'elle m'a beaucoup allégé. Puis à un moment donné, j'ai décidé que
je le dis en conférence aussi, tu sais, souvent, tu veux tellement t'en aller vers ton but, puis il y a l'angoisse de, tu sais, quel chemin prendre, c'est quoi le bon chemin pour retrouver, tu sais, la zone de succès que t'imagines, puis que t'envisages, tu sais, puis des fois, c'est pas bon de tenir le volant trop serré. Puis souvent, je dis, lâche-les, le style de volant, parce que la vie, elle sait où que, laisse la vie conduire, elle va t'amener à la bonne place, elle sait où que t'es supposé d'être. Puis j'y crois vraiment. Puis je te jure, tu sais, depuis ce temps-là, j'essaie de baser ma vie sur, pas juste ça, mais tu sais, un peu certains signes de vie de... Tu sais, l'année passée, je m'en allais... j'étais sur le signe avec un producteur français. Ça a pas marché, mais on avait quand même booké des dates de rodage qui ont pris le bord au mois de juin. Okay. Puis là, je dis, qu'est-ce que je fais? J'y vois-tu pareil en France? C'est quand même une dépense d'argent pour blablabla. Puis mon téléphone sonne, puis c'est Michel Grenier, le gérant de Mike Ward, qui m'appelle, puis il me dit... je l'avais invité à mon podcast, puis il me dit « Ah oui, je peux telle date. » Puis il dit « Hey, by the way, dis Mike part à... » Non, café. Mike part faire sous-écoute en Europe. Des pays francophones, Suisse, Luxembourg. « T'es-tu en France au mois de juin? » Je fais « Maintenant, je suis. » Ah oh! Merci. Fait que je fais le podcast, j'étais avec Blanche Gardin. Et après ça, il y a un producteur qui vient voir le show. Puis tout le monde était curieux, là, parce que Mike s'est rendu, c'est assez énorme, c'est international sur la face. Mike, c'est ça. Fait qu'on rencontre plein de monde après, mais on s'en va souper, mais, parce qu'il y avait Martin Matt qui était là aussi, puis ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé du temps ensemble, tout le monde. Fait que... Le lendemain, je fais un show dans un comedy club. Je faisais le show de 8 heures, qui était sold out. C'est un petit club, là, tu sais, il rentre 90 personnes. Puis celle qui programme la booker, Colleen, qui est devenue une chum, m'a dit « Hey, à 6h30, c'est le soir amateur. C'est le show amateur. C'est du monde qui monte quasiment. Il y en a qui ont 2 minutes. » Il y a 13 personnes dans la salle. Elle dit, viens, on va faire un tour. Je veux te voir faire rire 13 personnes. Je suis right. Tu sais, j'étais dans ce mode-là de je dis oui à tout. T'sais. Puis, je fais le show, j'ai du fun, autant de fun que tu peux avoir devant 13 personnes. Puis, en débarquant de scène, il y avait le producteur de la veille qui me dit, hey, qu'est-ce que tu fais demain soir? Ça, c'était un vendredi. Je dis, ben, la même chose que d'habitude, je repars au Québec lundi. Fait que, il dit, garde, il dit, moi, j'ai un gala à Bordeaux, dans un théâtre. 2000 personnes, c'est sold out. J'aimerais ça que tu sois sur le show. Fait qu'en dedans de 24 heures, je suis parti de 13 à 1000 personnes juste parce que j'ai dit oui, puis on est encore en contact. C'est fou. Sur plein d'affaires, plein d'idées, tu sais. Puis même des affaires, tu sais, à un moment donné, cet automne, je suppose, j'étais sur le bord de signer avec une grande production. Ça fait longtemps que je recourais après. Ça avançait, mais ça avançait lentement. Puis quelqu'un m'a dit, pourquoi tu t'auto-produis pas? T'es bien entouré, t'as une belle équipe. Mais tu sais, je suis pas sûr à quel point j'étais un bon businessman. On en a parlé avant le show. J'en ai fait un gag là-dessus, mais j'ai une discussion avec ma comptable le matin. Tu sais, c'est dans ton nouveau show? Oui. Celui que t'as regardé en ce moment? Okay. Exact. Fait que. Faut y aller. Que ça soit clair pour les kids, n'attendez-vous pas un grand héritage. je vais essayer de vous éviter des dettes. L'héritage, c'est une autre discussion. Je vais vous donner beaucoup d'amour en héritage. Oui, exact. Beaucoup, beaucoup d'amour. Mais. Et je savais pas trop. T'sais, ça me gossait. Fait que. Je sais pas quand me brancher. Fait qu'à un moment donné, un matin. Puis là, il fallait que je rende ma décision. Et là, je suis parti courir avec. T'sais, dans ce temps-là, prendre l'harnais. Let's go, on s'en va courir. Puis. J'étais avec madame. Qui dort très bien. Okay. Sur le côté, tu sais, il est pas encore en train de raconter cette anecdote-là. C'est que je tenais de l'entendre. Allez, c'est tout. Ben oui, elle me suit partout en show et en conférence. Fait que. Puis on tourne un coin, puis je l'oublierai jamais, il y avait une famille, je présume des touristes, mais tu sais, moi, j'ai envie de Montréal, fait que, puis il y avait un petit cul de peut-être 10 ans, cheveux blonds, cool dude, là. Tu sais, lui, honnêtement, là, il va en péter les cœurs, en estime, tu sais. Puis sur son t-shirt, c'était marqué « Take more chances ». J'ai fait 6 mois. Parfait. C'est là. Hey, c'est fou, hein? J'ai appris, monsieur. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a un côté de moi qui se dit, je suis en train de prendre des conseils, tu sais, de t-shirt de ce qu'il disait, là, tu sais, là, je veux dire, mets joke à part. Fait que c'est comme. Puis l'autre affaire aussi, quand j'ai fait le voyage cet été en van life, tu sais, 3 semaines, puis c'est une van life, là, t'amènes pas 3 valises, là. Surtout que moi, j'amène un vélo, j'amène, tu sais, plein d'affaires. Mm-hmm. Puis ça m'a soulagé de savoir que j'avais pas besoin de grand-chose pour être heureux dans la vie. Mm-hmm. Donne-moi une coupe de paire de shorts, de jeans, une coupe de running, une coupe de hoodie, tu sais, puis s'il y a un veston, aussi. Si un super veston cravate, je serais pas là. Okay. Mais ça a été un grand soulagement aussi. T'sais, on parle de ma comptable. Chris, dans le pire des cas, t'as vraiment que je me ramassais dans un Winnebago usagé à faire. Tu comprends-tu? Fait que, oui, il y a des moments de stress un peu où ce que, tu sais,
tu vois, avant le podcast aujourd'hui, la discussion avec ma comptable, une couple d'affaires, tout ça, puis... Puis là, tu vois, aujourd'hui, c'était genre, non, j'ai l'impression que... C'est quoi à dire? Et peut-être que c'est un mauvais réflexe, mais... C'est genre, faites-moi pas chier à être cartésien. Parce que, tu sais, c'est là que je me suis inscrit au marathon, au triathlon de Portugal. Ça, ça coûte de l'argent. Le billet d'avion, tu comprends-tu? Oui, oui, oui. C'est genre, fuck off, man. J'ai comme l'impression que si j'envoie la vie, voici ce que je veux vivre, et que je fais bien mes choses, oui. Pas genre, voici ce que je veux, je vais m'asseoir sur ma chaise, oui. Puis, tu sais. Ben, elle va le comprendre, le message, puis elle va me l'amener. Tu sais, moi, je le dis dans ma conférence, c'est vrai. Si je bois pas, si je consomme pas de dope, si je fais l'exercice, si je vois peu importe, et si je travaille même juste un peu, ben, quand le téléphone sonne ou courriel ou whatever, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Fait que moi, c'est ma formule du bonheur. Tout le monde a la sienne, la différente. Fait que si je fais ça, ben, les aventures que j'ai envie de vivre... C'est sûr que des fois, je fais des dépenses folles. J'annonce à ma comptable que je me suis acheté 600$ de carte de hockey la semaine passée. Mais ça, on peut mettre ça à ses impôts, hein? Oui, si je fais des stories avec, c'est comme une dépense. Mais tu sais, joke à part, c'est comme... J'aime ça quand la vie... J'ai l'impression que des fois, la vie m'envoie souvent des exemples pour me rappeler que ça va être correct. Mais il faut que je me le rappelle aussi. Tu sais, si j'ai réussi à payer mon loyer... Puis mes dépenses m'occupent de ma fille quand j'étais poudré comme la crise, puis j'avais plus vraiment de chaud, puis même quand je faisais des choses, c'était dans le petit bar minable, ouais. Dans le fond d'un rang. Ben, j'aurais été capable de le faire pendant un bout, là, tu sais. Fait que... Mais je trouve ça admirable, moi, cette urgence de vivre-là, puis tu sais, on a vraiment la même pensée. Oui, c'est beau, tu sais, l'héritage, puis la stabilité, puis il y a des gens qui ont besoin, comme, d'avoir un mode de vie qui est plus routinier, ou du moins, on a toute notre façon de vivre, mais cette urgence de vivre-là va faire en sorte que tu pourras jamais dire. Hey, j'aurais donc dû faire ça, j'ai pas fait ça, hey, j'ai pas. Ah, oh, je vais voyager l'année prochaine. T'sais, on l'entend tellement que c'est pris pour acquis qu'on a une année prochaine, mais tu sais, ouais. Peut-être que tantôt, je vais pas lancer ça dans l'univers, mais est-ce que. Tu sais, mettons là, qu'on le sait pas demain, tantôt dans 15 minutes, qu'est-ce qui va arriver. On le prend pour acquis, ça, mais tu sais, de dire, hey, go, je le fais, puis oui, l'argent à part avec, mais en même temps, ta vie va avoir été mémorable aussi. Là. T'as vécu tellement de choses que t'aurais pu ne pas vivre. Tu sais, j'ai pas perdu énormément de gens proches de moi, de mon âge. J'ai perdu des gens proches, là, mais pas de mon âge. Mais, voici un exemple très récent. Carl Tremblay. Oui, absolument. Qui était plus jeune que moi. Oui. T'sais, moi, ça m'a marqué. Tu sais, c'est pas dire que je vais vivre ma vie en innocent, là, tu sais, je veux dire... Oui. Mais comme je te dis, j'ai l'impression qu'il y a un jeu d'échecs avec la vie. Puis je pense que des fois, elle va te tester. Tu sais, des fois, je le dis dans mon show. Parce que je parle du fait que j'ai commencé à méditer. Puis ça, juste de dire ça, les gens rient. Parce que c'est là que je vois l'image que les gens ont de moi. Puis toujours, on dirait que quand j'ai une bonne journée de méditation, la vie essaie de tester ma zénitude. C'est juste pour montrer. J'aime ça la façon que la vie check si ton intention est vraiment sincère. Oui. Fait que, tu sais ce que je suis allé faire? Tu sais, c'est un autre signe de vie parce que le triathlon au Portugal, ça m'a été proposé par quelqu'un qui organise des camps d'entraînement que je connais. C'est une Québécoise qui habite en Espagne. Mais la ville où ce que je vois, c'est là où je me suis séparé de ma dernière relation. Fait que je trouve ça. Non, ok, je vais aller passer l'éponge. Ouais. Mais je m'en vais quand même faire un triathlon. Ça fait que faut que je m'entraîne pour ça. Fait que c'est comme il faut falloir que je m'occupe de mon corps. Tu comprends? Ouais, c'est une façon ouais. Aussi, tu sais, c'est pas. Mais des fois, la vie nous envoie des beaux messages puis des belles choses qu'on. Ben oui. Qui nous permettent peut-être de passer l'éponge comme tu tournes la page. Puis tu sais, je fais du pouce ce que tu disais tantôt. Les regrets viennent beaucoup plus de ce qu'on n'a pas fait que de ce qu'on a fait, là, finalement. Puis au pire, ce sera une leçon. Tu sais, des fois, oui, on c'est au ça. Pire, je le ferai pour l'anecdote, ouais. Tu sais, dans le sens où what if, tu sais, parce que sinon, c'est tellement facile de se mettre dans une petite. Dans un étau, puis de pour. Je te vois tellement comme dans le. Il y a un film, là, Yes Man, là, que c'est. Ouais. Tu sais, Jim Carrey, de dire oui à tout. Ouais, puis cette chose, c'est comme une belle leçon de vie que je m'en suis rappelée de. Tu sais, quand tu dis oui, tu t'ouvres comme. Tu sais, automatiquement, mettons, la synchronicité de la vie ce soir-là, tu as dit oui pour ce show-là, ça t'a amené ça, ça t'a. Tu sais, tantôt, j'ai rencontré une fille ici qui m'a offert un rendez-vous. de quoi? Pour mes cheveux, mais comme c'est quoi les chances qu'on parle de ça? Tu sais. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on se dit, si tu portes attention, mais ça t'ouvre tellement de portes, puis tu te rends à des endroits que tu n'aurais pas pensé te rendre aussi. Mais pas juste ça, puis en fait, c'est quasiment sur une base quotidienne. Tu sais, cette communication-là, cette valse-là avec la vie, je veux dire, 24 heures par jour, tu comprends-tu? Je veux dire, c'est.
c'est pas par moment. Fait que, puis je le répète, c'est pour ça que je trouve ça fun d'avoir retrouvé ce que j'appelle ma sobriété 2.0. Là, ouais. C'est le fun de vivre le boss que je suis en train de vivre présentement, mêlé avec cette période de vie-là. Je sais où est-ce que je veux m'en aller. Puis, c'est toi, j'écrivais ça parce que je sors un sixième show. Puis, je sais qu'il y a un produit final. Le show sort en février l'année prochaine. Puis, justement, en fin de semaine, je suis en rodage à un petit village. Puis là, je m'auto-produis. Fait qu'il y a un stress. J'avoue que, tu sais, je suis pas. Ça me garde sur. Puis en même temps, j'ai du monde qui me challenge, tu sais, parce que, tu sais, justement, j'avais une discussion, j'ai revenu sur ma comptable, elle me dit, tu sais, tu dépenses beaucoup d'argent des gens pour qu'ils t'aident sur les réseaux sociaux. Je fais, ouais, mais je m'auto-produis, il faut que ça se passe par les réseaux sociaux. Fait que tout ce que tu vois comme une dépense, c'est un événement, faut que tu vois. Puis tant mieux si j'ai des chiens de garde, puis c'est pas la seule, j'aurais pas dit ma comptable, elle va penser que j'envoie un message par la bande, tu sais, mais moi, j'ai vu ça comme, oui, il faut que je prenne des décisions d'affaires intelligentes aussi, mais je vois ça des fois comme un challenge de, tu y crois-tu vraiment? Je vais donner un bon exemple, puis en toute humilité, ça fait un an et demi que j'ai le podcast, les chiffres sont corrects, pas encore tombé dans le monde des commanditaires ou de blablabla, mais je le fais pourquoi? Je le fais pour faire du cash, je le fais pour m'amuser, puis je le fais parce que ça me fait vraiment triper comme on fait présentement. Il y a ça aussi, j'ai pas envie que ce soit toujours des décisions business. Je peux-tu faire ce qui m'amuse? Puis, veux pas, tu sais, ça me fait sentir vivant. Il n'y a pas de prix à ça, là. Non. Que, C'est tellement pour ça qu'on le fait aussi, tu sais, vraiment. Pour aider le monde. Puis, tu sais, tantôt, ça me fait penser, tu as dit au début, ah, tu sais, j'en ai parlé de telle affaire, mais en même temps, chaque fois qu'on en parle, ça aide le monde. Puis, c'est ça qu'on le fait. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, j'arrêtais de parler de consommation, tout ça, parce que je recevais des messages à Chris, t'attends-tu pas à d'autres choses? Ouais. Mais en même temps, je me suis dit ça quand j'étais à la radio ou sur les réseaux sociaux, puis à un moment donné, je peux pas croire que j'ai été assez niaiseux de pas. Parce que tu fais bien plus de bien aux gens que tu... Tu sais, comme j'ai... Chris, t'es tanné de m'entendre parler. Écoute-moi pas, calice! Ouais. Chris, comme tu me vois à TV ou tu m'entends en radio ou tu vois mon podcast ou les réseaux sociaux, fucking décoller, c'est ce qu'il dit, tu sais, je veux dire... Il y a personne qui te retient, tu sais, c'est ça, là. Alors, tu sais, selon Olivier m'a fait faire cette promesse-là cette année, elle a dit, là, tu me promets qu'en 2024, tu t'attardes pas à ce que ces gens-là disent. Moi, je les appelle les étrons, là, tu sais, mais elle est plus polie que moi, là, tu sais, mais c'est, ça gruge quand même, tu sais, je veux dire, c'est quand même lourd, là, d'avoir tout le temps... Ouais, mais c'est tellement d'énergie perdue, parce que... Puis on le sait qu'on le dit, mais il faut qu'on le croit. Le dire, c'est une chose de le croire, mais... Moi, si tu prends le temps de... Si tu chies sur mon bonheur. Quelqu'un m'a déjà écrit tout ton crise de bonheur parfait, c'est parce que t'es clairement malheureux. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si t'es capable de, tu comprends, de vite tasser ça. Moi, je pense qu'à chaque fois que je me fais envoyer ce genre de message-là, tu fais juste confirmer que je suis à la bonne place. Ouais. C'est drôle à dire, là. Ah, mais ça m'a pris du temps. Ouais, mais. Je le dis maintenant. Mais, tu sais, combien de fois que j'ai commencé à leur répondre, j'ai effacé. C'est Mike Ward qui me disait ça. Lui, il répondait, puis il effaçait avant de l'envoyer. T'sais, faut moi, tu t'es défoulé. Ouais, toi, tu l'as sorti. Puis après ça, mais, dans les barrages, des blocs, là, t'sais. Puis justement, tu sais, après le live, puis tu sais, avec Étienne, est-ce que tu t'attendais à une réaction? Est-ce qu'il y en a eu une? Si oui, comment t'as vécu ça? Écoute, je savais que je m'arrasserais pas tout le monde en parle avec ça, mais je me dis, bon, ça va être un cas de show business. Puis, tu sais, je me disais, ou Hollywood PQ, whatever. Je voulais pas que ça sorte Maxime Martin en rechute. La seule appréhension que j'avais, c'était que ça soit présenté sous forme de lourdeur, quand au contraire, il y a quelque chose de... Encore une fois, je suis pas en train de banaliser ce qui est arrivé. En fait, ma crainte numéro un, c'était que les gens disent « Ah, Chris, il l'a essayé, puis il a réussi. » Moi aussi. Okay, je me sentirais mal être responsable de gens qui se disent « Ah, si je vais essayer d'en boire ou de consommer, tu sais. » Avant tout. L'autre, après ça, encore une fois, je suis tombé brièvement, par exemple, ça, je suis content brièvement, sur « Je vais-tu passer par... » Bon, les gens, il y en a qui vont dire « Ah, c'est plein de marde, de blablabla. » Puis ça, c'est pas arrivé. Puis, je n'ai pas énormément entendu parler. T'sais, c'est sur le podcast, ça sort, j'en parle aujourd'hui. Je pense que ça va se faire graduellement. Puis, tu vois, même on se parle, on est le 7 février, puis là, je suis dans le 28 jours sans alcool, j'ai ma page à moi, fait que je suis comme... Je vais peut-être faire une capsule ou je vais peut-être... Je sais pas. Mais, peu importe les... C'est juste de le faire. C'est comme fun que ça soit dit. Oui.
Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, probablement, tu sais, il y a tellement de les médias sont tellement éparpillés maintenant, tu sais, puis ils rajoutent là-dedans, tu sais, les podcasts, puis tous les réseaux sociaux, qu'avant que tout le monde dise, ah oui, il a vécu ça, ça se peut que ça prenne un sacré bout, mais, tu sais, c'est le fun, c'est dit, tu sais. Ouais. Puis, jusqu'à date, tu juste les messages que j'ai reçus sont vraiment assez géniaux, tu sais. Puis, ouais, okay. Tu sais, c'est comme. Sincèrement, je m'attendais pas à. Mais moi, ce que j'aimerais, comme que les gens. Parce que c'est comme cette peur-là de dire, oh, je veux pas que les gens, tu sais, comme. Le voient comme une tentation, peu importe. Puis, ce que je trouve qui est comme majeur dans ta situation, c'est que tout ce temps-là, t'es pas resté seul avec ça. Il y a des gens qui, admettons, ils auraient vécu tout ça seul, qu'on appelle ça une rechute ou de trébucher ou peu importe. Il y a des gens qui seraient restés avec ça puis qui auraient comme caché ça ou qui auraient été dans l'ambivalence, en plein d'émotions, mais tout seul. Mais tu sais, toi, tout le long, t'en as parlé avec des gens de confiance, mais comme ça, selon moi, ça fait une immense différence dans. Ben oui! Parce qu'inconsciemment, tu fais comme. Tu t'installes justement des points de repère. Oui, puis, j'aime pas l'expression, mais tu me dis des. Des ancrages, ouais. Ben, des chiens de garde un peu aussi. Ouais. Fait que, puis en même temps, ça combiné avec le fait, comme je disais des fois, tu sais, quand j'allais au chalet, ben, j'avais la peine, tu sais. Mm-hmm. Mais tu sais, mettons, quand je vais dans Charlevoix, tu sais, j'essaie d'y aller au moins minimum 5, 6, 7 jours, là, tu sais. Ah non, c'est pas à côté. C'est un petit bout, non, c'est ça. Fait que des fois, quand j'arrivais, puis le premier soir, je m'achetais de la bière, puis que le lendemain, j'étais hangover, tu sais, j'étais comme, ouais, on calisse des pétés. T'sais, 5 jours, tu sais, on a gaspillé une. Mm. Fait que là, je m'en prenais vite en main, tu sais. Ouais. Je passais pas la semaine à. Ah, c'est ça. Puis. Mais comme j'ai dit, tu sais, en même temps, quand tu commences à mentir, puis. Là, vers la fin, il y a des petits patterns qui en venaient, que c'était comme, ah, je suis en train de retomber dans ça, puis. Mais oui, tu sais, je pense que. De toute façon, je veux dire, moi, j'ai de la misère avec le mensonge et l'hypocrisie. Fait que, tu sais, j'allais pas faire semblant. Mm. Puis mon entourage, ils sont pas cons. Non. Mais quoi qu'en même temps, tu sais, je veux dire, comme un exemple, tu sais, quand j'ai pris mon verre à Paris avec Livia, tu sais, je veux dire, j'ai pas bu avec ma fille souvent, là, tu sais, peut-être arrivé 3-4 fois, tu sais, dans les deux dernières années, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, mais, tu sais, par contre, si mettons j'avais pris un verre puis qu'elle était pas là puis qu'on jasait, je l'appelais pas, dire ok j'ai bu, peux-tu me noter? Ouais. C'est quoi, à quoi ressemble mon pattern, tu sais? Mm-hmm. Mais tu sais ça sortait là, tu sais, je veux dire. Parce qu'à un moment donné c'est quand même pas, c'est pour ça qu'encore une fois, tu sais ça a pas duré longtemps là, tu sais, on parle de 2021 à fin 2023, mm-hmm. puis éparpillé, tu sais. Ouais. Mais là, tu sais c'était autant que ça en venait une lourdeur. Qui me rappelait l'ancienne lourdeur. Tu vois, ah, Chris, là, c'est une, ouais. Le plaisir, le faux plaisir était disparu. Parce que ça a quand même été un faux plaisir. Tu as utilisé quand même l'expression danser avec le yoble. Ouais. Dans le sens, c'est ça, tu as été valsé avec bien comme du monde. Puis tu aurais pu retomber dedans. Là. Mais. Non, mais puis je veux pas en faire une espèce de. Tu sais, victoire de bataille, avec une médaille, est-ce que comment. Mais il y a une semi-fierté dans mais le oui, sens de. Non, mais... Oui, ok, comme tu dis, j'ai lancé avec le diable, mais j'ai pas couché avec. Ouais, exactement. C'est ça. Et tu peux l'apprendre quand même, puis je sais que c'est ça, tu dis, je vais pas me mettre une médaille, mais de l'apprendre quand même, parce qu'effectivement, t'as vraiment. T'sais, c'est ça. Je vais remettre l'expression, t'as dansé avec, mais regarde, tu sais, aujourd'hui, on est assis ici, puis on en parle, puis t'as pris une décision, puis tu l'admets, fait que je trouve qu'il y a déjà là. Mais c'est parce que. T'sais, si je fais, mettons, 2009 versus 2024, on va mettre ça aujourd'hui, il y a une différence entre « je peux plus » puis maintenant, c'est « je veux plus ». C'est ça, c'est un choix libre écrit. Puis c'est vraiment, il y a une grosse différence. Là. Ouais. C'est comme plus intrinsèque la motivation réelle, là. Ouais, c'est ça. Puis là, on l'a effleuré, mais... Bon, on l'a pas tant effleuré, mais là, t'es centré sur le travail, etc., les projets... Mais dans tes relations, tu te qualifies souvent d'instable. T'en es où, là? C'est pas instable. C'est quelque chose que je vais affronter en 2024. Ben, c'est ça, parce que dans tes défis, tu disais que c'était comme un... Tu sais, c'était un sujet qui pouvait être... Ben, en fait, instable, c'est que, tu sais, tu sais, la plupart des femmes que j'ai rencontrées, c'est toujours la même affaire. T'as juste pas le temps. Ben, en même temps, tu sais, je veux dire, c'est pas... J'entends ça souvent, mais, tu sais, je veux dire... Je pense que quand l'amour embarque, t'es capable d'en faire du temps. Puis, je pense que dans les dernières années, j'avais un retravail. Ben, je travailler sur Maxime Martin, c'est une job à temps plein. J'avais quand même un petit travail d'urgence parce que par rapport, comme j'ai dit, 2022, ça allait calissement pas. Là, là, fait que,
Tu sais, je veux dire, t'es loin d'être suicidaire, mais t'as l'impression que tous les jours, t'as un esti de nuage noir au-dessus de la tête, tu sais, puis... Fac. Mais ça, c'est une chose que je veux affronter, parce que... Tu sais, c'est long, parce que je disais... Tu sais, comme quand j'ai arrêté de consommer... Oui, avant de faire des meetings, moi, j'étais allé voir une intervenante parce que je voulais voir c'était quoi la source du problème. Tu sais, c'est bien beau que le toit coule, mais si c'est pas... Ouais. Ça coule de où? Si tu le répareras pas, là, fait que... Puis par rapport aux relations, c'est la même affaire, tu sais. Je veux dire, il y a un petit blocage. Et c'est quoi le blocage, tu sais? Je veux dire, tu sais, on y est souvent, tu sais, justement avec Livia, ma peur de l'engagement. C'est pas un problème, je sais pas, tu sais. Parce qu'en même temps aussi, c'est sûr que avec ce que je vis puis ce qui s'en vient, tu sais, ça m'arrive des fois, comme justement quand je suis allé faire un marathon en Écosse, tu fais comme, calice, il me semble que ce que je vois présentement serait fun de le partager avec quelqu'un. Oui, oui. Fait que, je pense que. Pas tout le temps, fait que si y a des ex qui m'écoutent, ça veut pas dire que je parle de toi. Mais je pense que j'ai souvent aussi été attiré vers des relations que je savais qui étaient pas possibles. Ouais. Fait comme ça, j'avais le prétexte de « Ah, ça n'a pas marché, mais j'ai... » Ouais, c'était prévisible. Ouais. Exact. C'est ce qu'il y a, ça. Fait que je suis tanné de ça. Mm. Fait qu'on va voir, tu sais, je veux dire, je... Tu sais, malgré mon horaire de fou, il y a de la place pour quelqu'un. Tu sais, ça, j'ai pas peur parce que c'est une autre affaire aussi. Tu sais, j'ai l'air d'être tout le temps. Je suis tout le temps sago, mais tu sais, c'est un bon exemple. Tu sais, il y a des règlements d'or que je respecte. 8-8-8. 8 heures de sommeil, 8 heures de plaisir, 8 heures de travail. Tu sais, hier, j'avais de la job à faire, mais à fucking 7 heures, je te la reprenais à horreur. On écoutait un film, mais moi, je l'ai écouté. Je l'ai puis même si j'avais des... Tu sais, tu comprends-tu? Je retournais pas à l'ordinateur, puis j'ai recommencé à m'acheter des bandes dessinées pour dormir le soir, juste pour... Tu comprends? Mm. Fait que... Oui. Puis donc... J'ai l'impression que j'ai un feeling que cette facette-là de ma vie va être intéressante en 2024. Tu vas te l'attirer. Oui, depuis tantôt, on en parle en plus. Mais moi, j'avais déjà entendu... on avait parlé ensemble, mais change, c'est pas une priorité... J'ai pas le temps pour que c'est pas une priorité, and see how that feels. Puis comme... Ça avait tellement résonné parce que, tu sais, maintenant que tu dis, ah, j'ai pas le temps d'aller au gym, puis que tu le changes pour, ben, c'est pas une priorité prendre soin de moi, tu fais comme, oh. Ouais. Ça remet les choses en perspective. Fait que des fois, c'est comme, on choisit nos priorités, on choisit, tu sais, c'est ça. Je trouve ça, des fois, ça remet en question comme, comment on structure notre vie ou comme nos. Ouais. Mais aussi, tu sais, moi, je suis un solitaire aussi. Puis ça va toujours rester, je veux dire. Puis j'aime ça aussi des deux côtés. Tu sais, moi, t'avais quelqu'un qui a besoin de son temps tout seul, je le prends pas comme une insulte. Ouais. Parce que toi aussi, tu l'as besoin. Tu sais, c'est ça, t'as ce besoin-là. Exact. Mm. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai pas peur. Tu sais, le monde qui. J'entends ça souvent. J'ai peur de mourir seul, je veux pas mourir seul. Mon Dieu, que c'est des. Non. De toute façon, on meurt tout seul. Anyway. Tu sais, t'as besoin d'être. Anyway. Mais parce que je sais que je suis capable de me rendre heureux tout seul, c'est ça qui est le fun. Donc, tu sais, la personne qui va rentrer dans ma vie, ça ne sera pas une dépendance, ça ne sera pas... Juste j'ai besoin de... Tu comprends-tu? Je veux dire, oui, c'est le fun. C'est le fun d'écouter un film collé avec ta blonde, c'est quelqu'un que t'aimes, puis cette chaleur-là, puis... Mais, tu sais, je suis capable d'être heureux aussi tout seul quand j'écoute... Tu comprends-tu? Fait que si t'es capable de combler ça, ben l'autre, quand tu devient plus un ajout qu'une dépendance. Oui, c'est sain dans ce temps-là aussi parce que t'attires nécessairement quelqu'un qui est à la même place que toi, dans le sens où, en ce cas, ce qu'on espère là, pour que ça fonctionne, il faut que la personne soit un peu en concordance avec ce que toi, t'as comme mode de vie puis comme façon de prioriser les choses. Là, fait que... Ouais, puis je pense que ça n'a jamais été clair ce que je voulais, puis maintenant, je le vois un peu plus clairement aussi. Fait que... Hey, on va faire une ouverture à toutes les candidatures. Une dating app. Dating app. En commentaire, si on en parle. Non, âge, région. Fait qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on le match, c'est ça? C'est plein de DM. Deux voix. Mais j'allais te demander, outre ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Écoute, c'est parce que je suis superstitieux. Ah ouais? Ouais. C'est correct. Fait que je le sais ce que je veux, l'image que j'ai. Puis, tu sais, moi, j'ai une carte ancienne que j'adore, Cynthia Rose. Je te dis bonjour. On plug tout le monde. Oui. Trouvez-la sur Facebook. Non, mais l'astrologie bien faite, la carte du ciel, c'est vraiment quand même assez impressionnant. Fait puis j'avais une image en tête, puis elle m'a confirmé cette image-là. Fait que... écoute,
Ouais, mais. Veux-tu me la partager? Ah, écoute, tu parles. Non, non, mais c'est justement. Non, mais on s'en parlera. On peut-tu dire ça? Oui, parfait. Parce que c'est long, je suis pas énormément superstitieux. Quoique ces temps-ci, j'ai changé de chandail pour un de mes shows, puis ça m'a allaité. Fait que là, je suis devenu superstitieux de linge, Chris. Je te comprends. Mais c'est pas mal été, mais pas à mon goût. Mais. Mais tout ce que je vous raconte depuis tantôt, c'est que ça peut peut-être paraître plate comme réponse à un esti de bon podcast, mais c'est toutes les leçons de vie que j'ai partagées. Parce que c'est le fun, je me tente pas de raconter ces histoires-là comme en même temps, comme les gens disent, quand tu fais ta conférence, est-ce que t'es-tu tanné de te répéter? Ben, c'est jamais exactement pareil. Mm-hmm. Mais non, parce qu'en même temps que je vous parle, en même temps que je parle aux gens qui sont devant moi, la personne à qui je parle le plus, c'est Maxime Martin. Fait que, tu sais, je me tente pas de l'entendre parce que je veux que ça me rentre dans la tête. Ouais. Tout ce que je vous ai dit depuis tantôt. Wow. Ouais. Ça fait du bien autant que probablement ça fait tellement de bien à tellement de personnes. Ça. Mais on le souhaite. Tu sais, moi, je suis quand même chanceux parce que j'ai reçu énormément d'amour, type d'entourage, puis je suis pas en train de dire je l'ai balayé de la main, mais tu sais, des fois, t'en es pas conscient. Fait que. Puis, comme j'ai dit, toutes les chances que la vie m'a donné aussi. Fait que. Je suis plus dans ce mode-là de. Peut-être que c'est à mon tour d'en redonner un peu aussi. Mmh. Tantôt, tu as dit qu'on venait tous avec un purpose ou une mission de vie. C'est quoi la tienne? Clairement, de me matcher en 2024, comme je viens de dire. C'est tout ça, si j'ai bien compris. Le message venait du ciel, passait par toi. Je le sais pas. Tu sais, clairement, je suis quelqu'un de défi. Je suis quelqu'un de très cyclique. Fait que je sais pas c'est quoi ce pattern-là, c'est-tu... Parce que, tu sais, je sais que pendant longtemps, j'étais un auto-saboteur, puis tu sais... Tu sais, la personne qui était responsable de tout ce qui m'a... Ben, on l'est encore, mais tu sais... Mm-hmm. Mais quand je regarde 2022 puis tout ce qui est arrivé... Tu sais, tout était... C'est comment je pourrais dire? On dirait que c'est inconscient... D'une façon inconsciente, j'ai comme placé ces gens-là dans ma vie, comme à un moment donné, je sais pas, pour avoir une espèce de wake-up call, parce que quand tout a éclaté, je le disais tantôt, je me suis vraiment posé la question si tu l'auto-sabotages encore une fois. Je pense qu'il y a la vie aussi qui a fait, bon, ben toi, évidemment, tu marches à coup de claque sa gueule, Maxime Martin, fait qu'on va t'en sacrer une nestie bonne, que tu comprennes le message. Puis suite à 2022, je me suis promis une chose aussi, parce que j'étais comme genre, quelle estie d'année de merde. Hey, je me couchais le soir, là. Tu sais, t'es nerveux. Parce que tu te dis, mec, je me réveille, qu'est-ce qui m'attend demain? Puis je me suis rendu compte que plus jamais je vais dire ça parce que 2023 était une des plus belles années de ma vie. Fait que je pense que 2022, c'est juste comme tassé à côté. Là, pour repartir ailleurs. Fait que je ne sais pas. En tout cas, c'est pas régler l'excessivité, parce que si c'est ça ma mission, bravo. T'es mal parti avec la partie finale. Non, on va arriver en haut, on va en faire un retour en bas. T'as rien compris. Bon, là, tu t'assois, tabarnak, Christine. Tu manges des chips, ferme ta gueule. Écoute la TV. Écoute des films, Charlevoix. Oui, c'est ça, exactement. Mais on peut te souhaiter, dans toute cette excessivité, de la paix intérieure, puis un certain calme. Ouais. Mais ça, il l'est quand même pas. Ouais. J'aime bien ça. Puis beaucoup de temps avec Aura. Oui. Mais ça, pas le choix, on est tout le temps ensemble. Puis il y a une rencontre, il faut qu'on en parle. Oui, exact. Mais c'est bonne chance, parce que j'ai vraiment, je veux dire, le compagnon parfait. Il y a une femme dans ta vie déjà. Exactement. Toujours contente de me voir. Toujours d'accord avec ce que je dis. Elle ne demande rien. On court, on voyage. Elle coûte pas cher. J'ai couru, aimé voyager. Oui. Exactement. On le retient. Mais merci tellement. Merci à vous. Puis on prend le temps de faire le lien avec la clinique Didacticus qui présente officiellement notre podcast. Ah, c'est vraiment cool. Oui, vraiment, on les adore. Toutes sortes de professionnels, psychosociaux aussi au niveau orthopédagogie, orthophonie, bref, 0-100 ans, des services pour toute la population. Vous pouvez consulter leurs réseaux sociaux, Clinique Didacticus ou le www.didacticus.com. Aura fait signe que c'est fini. Ouais. Est-ce qu'elle me fait rire à le signe? Non, c'est genre, c'est la gang, c'est l'heure. C'est comme, mon père des fois, j'étais en show, puis tu sais, quand ça applaudit, des fois, pendant un gang, elle s'associe à applaudir, c'est fini. Fait des fois, elle dort, là, ça applaudit, puis là, elle est en coulisses, elle sort de coulisses, puis là, je la regarde, je fais non, mais. Je la sens quasiment rouler des yeux, genre, OK, c'est vraiment. Eh bien, merci. Merci encore.